Salut tout le monde, ici Johnny Kay. Donc je me retrouve encore aujourd'hui pour une review, mais cette fois par rapport à une wig que j'ai reçue de mon partenariat avec le site web qui s'appelle Roll Cosplay. Donc voici le paquet. J'ai reçu de chez eux la wig de Onoka Kosaka que je vais découvrir en tant que vous tout de suite. Voilà. Donc je vais commencer par l'ouvrir. J'ai reçu avec, très sympa, le petit badge de Roll Cosplay. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, regardez là. J'ai reçu avec, donc je vais pouvoir enlever celui-là, une wig cap. Hop. Et donc voilà la perruque. À ce que vous pouvez voir juste là, il y a un petit nœud qui est offert avec. Plutôt sympa. Donc je vais l'ouvrir. Il est tordu. Alors. Joli petit nœud qui se ferme avec une pince, qui est plutôt pratique d'ailleurs. Donc voilà la wig en dehors. À ce que j'ai pu remarquer, la ponytail n'est pas emballée séparément de la wig, elle est à l'intérieur de la perruque. Donc voilà la ponytail. Si je commence à tout faire tomber, ça va aller. Voilà. Plutôt compliqué d'accéder à la pince. Voilà la pince. Hop, je vais sortir la perruque. Et voilà la perruque. Donc voilà le devant. Et voilà le derrière. Elle m'a l'air assez longue quand même. Donc je sais pas s'il faudra que je la recoupe un peu ou pas. Voilà. L'intérieur, c'est comme pratiquement toutes les perruques que j'ai reçues. Il y a les petites sangles pour ajuster la taille et ça fait un filet. La couleur, franchement, elle est superbe. Ça tire pas trop sur l'orange ni trop sur le roux. Puis la qualité du fibre, franchement, la perruque, je la trouve vraiment très douce. Elle a pas l'air très très emmêlée. Et contrairement aux autres perruques que j'ai reçues, elle ne perd pas ses cheveux. Donc ça va, je suis plutôt contente de ma commande. Oula! Bonjour. De ma commande. Donc je vais aller la tester tout de suite. Elle sera pas coiffée, je vous le dis de suite, hein, je la sors à peine, j'ai la flemme de la couper maintenant. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'essayage de perruque. Donc me revoilà après avoir posé la perruque. Alors comme je vous ai dit, hein, je sais vraiment pas coiffer ni rien les perruques. Donc j'ai accroché la frange avec une épingle. Voilà. Parce que sinon me tomber sur le visage. Donc voilà la ponytail avec le petit nœud. Focus. Voilà, ponytail avec le petit nœud. Je la trouve quand même un peu longue, mais ça va, c'est pas un défaut, au contraire, c'est bien aussi. Je vais vous montrer derrière un peu ce que ça donne. Voilà.
C'est une wig quand même vachement fournie, je trouve. Oui, niveau ponytail et niveau wig aussi, il y a beaucoup de cheveux. La frange, je vous en parle pas, il y a pire cassé de frange pour tout couper. Niveau couleur, elle est vraiment très bien parce que elle est ni trop rousse ni trop orange. Même si en photo, comme je vais vous montrer à la fin, ça sort vachement orange avec la lumière du jour. Sinon, franchement, pas de soucis. Je vous mettrai le lien de la wig en barre de description pour ceux que ça intéresserait. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois. Merci.